Bonjour à tous, bonsoir à tous. Quel aventurier ira jusqu'au bout? Je vous le demande. Moi-même, je ne sais pas, bienvenue au conseil. Ils étaient 16 au départ, il n'en restera qu'un. Et pour la première fois dans l'histoire de la Cup Imorabu, le gagnant fera gagner sa bannière, son équipe, je dis bien toute son équipe, d'une baguette magique. Oui, c'est ça le problème, c'est pour ça que Michel, il a changé de couche, parce que ça commence à goûter dans le slip. En tout cas, c'est extraordinaire, bienvenue au conseil. Et maintenant, on sait déjà très bien, que le conseil déjà peut être décisif. Accrochez-vous, on va transpirer, c'est parti, on récapitule le conseil. Go ! Mathis Mayer, c'est parti. Bon, le micro, faut que ça tienne. Alors, on l'a fait à la bonne franquette. Tout est une histoire de mathématiques. A au carré plus B au carré est égal à C au carré. Pythagore, Thalès, tout le bordel, on connaît ça par cœur. Bon, est-ce que c'est assez loin ? Est-ce que c'est assez près ? Est-ce qu'il faut zoomer peut-être ? Je ne sais pas, Michel. Non, ça ira. Si ça ne va pas, je zoomerai un petit peu. Les lunettes à Michel ? Michel ? Les gobelets et les enveloppes. Récapitulons. C'est parti, on envoie la sauce. Nous avons une équipe verte. Une équipe verte qui est composée de Gigi, Gros Babas, Momo, Mimo, Ronild et Skipper 42, voyez ? Équipe verte. Toc, 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 toc. Là, attendez, hop là, je vais aller chercher un chapeau. Vous n'êtes pas pressé, vous n'avez pas deux secondes. Deux secondes, les gars. Bon, je vous mets une petite musique, le temps, deux secondes. Hop. Je me voyais déjà. 18 ans. J'ai quitté ma province. Allez, Michel. Bien décidé d'empoigner la vie. Je règle le micro, hein. Tout est fait en direct. J'étais certain. J'ai ri en Paris. Chez le tailleur le plus chic, j'ai fait faire. Voilà. Oui, on se voyait déjà en haut de l'affiche. Effectivement, il y en a plein qui se voient en haut de l'affiche. Effectivement, là, ça n'a jamais été aussi fort. Quel dommage que notre Jean-Claude National Big Flo ne participe pas, car là, une cup comme ça, je ne pourrais pas en faire. C'est vrai que le Vendée Globe, ça a été magnifique. Au niveau trophée, ma filleule a été fantastique, mon pote aussi. On ne peut pas rêver mieux qu'un Vendée Globe. Mais là, c'est surtout dans le délire de la cup, comme je la fais. Même moi, je suis sur le cul. Je n'ai pas dormi cette nuit. Je me dis, qu'est-ce qui va m'arriver au tirage? Et je ne fais rien, je vous rappelle que rien n'est triché, j'en ai rien à foutre. Vous avez vu, hein, j'ai amené le chapeau, voilà, j'avais même pas prévu, voilà, et je me dis, tiens dans le chapeau, on met ça. Alors, bien fermé, c'était l'équipe verte. On a dit derrière, c'est pour ça que c'est le bordel, bah oui, même moi j'en ai ricané, oh là là, rouge, attention, équipe rouge, il y a Armen, Élevage Borget et France Espoir 13. Je sais que Élevage Borget va surveiller, il a raison parce que je peux faire des erreurs. Bon, maintenant, étant donné que l'erreur est faite et de bonne foi, quoi, hein, par vents et par mots. L'équipe orange, il reste plus que deux candidats, Giga 7 et Max. Oh là là, me direz. Ah, non, franchement, les mecs, j'espère qu'on va pas tirer l'équipe orange. Oh bah là, je me pends, hein, je jette par la fenêtre. Attention, hein, je vous ai une parole de fils de pendu. Hein, parce que, pas pendu, ça va faire mal. Bon, alors, on arrête de dire des conneries. Michel, équipe bleue. Qui peut bleu, bah ça va pas changer. Il doit y avoir les quatre. Je vérifie quand même avec vous. Poon 49, Le Boss, Willow et Fred. Voilà. Donc là, c'est les quatre petites enveloppes. Hop, on secoue le chapeau. Musique, s'il vous plaît. Les chansons et les orchestrations ont eu raison de mes économies. Me voyez déjà en haut de la... Bah oui, on se verrait bien en vainqueur de la team ailleurs. Ben oui, avec un trophée formidable, une baguette magique. Et attention, garantie par Michel, une baguette magique qui fonctionne. Je vous en dis pas plus, je ferai une démonstration. Bon, pour l'instant, on n'est pas dans la merde. Là, on va arriver. Alors, tirage au sort, c'est parti pour aller dans ce gobelet. Allez, pour aller dans le gobelet... Ah oui, mais non, il faut d'abord gobelet 3. Attends, qu'est-ce qu'il faut faire là? Ah oui, d'accord, je prends un ticket comme ça, voilà, une enveloppe. Hein, pour prouver ma bonne foi, et il va aller dans le gobelet 2. Vous voyez, mais le problème, c'est que je ne prépare rien. J'arrive, toc, on a un coup de flotte, un coup de grain sur cancale, le bordel, hop, pochette 2. Donc je parle en même temps, je dis ce que je veux, voilà, oh, j'ai une conseil. Ah, 3, ah bah oui, j'avais pas pris. Celui-là ira dans le 3. Ah bah oui, mais Michel,
C'est un peu trop speed. Alors, j'ai arrêté la vitamine C, les gars, parce que je vous conseille, ça donne des petites palpitations. Allez, tirage au sort. Attention, on ressort celui-là qui ira dans le 1. Hein, vous me faites confiance. De toute façon, pour l'instant, on s'en fout, étant donné qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Voilà, c'est mis dedans. Je ne sais pas. 1, 2, 3, 4, comme vous pouvez voir devant vous. C'est un tour exceptionnel. Mesdames et messieurs, à 3,54€, ne quittez pas. Nous allons remettre les 4 billes. Et nous allons commencer le tirage au sort. Je ne sais pas combien de minutes, mais tant pis les gars. S'il faut passer une demi-heure de votre temps, vous passerez une demi-heure. On n'a pas le choix. Le son est extraordinaire, Michel est extraordinaire, tout le monde est extraordinaire. La team est extraordinaire. Et là, attendez. Hey, j'ai pas le temps de parler, mais j'ai tous les crayons, regardez, du rouge, du bleu, du orange, du vert. Il n'y aura plus aucune erreur. Et ça, je vous l'annonce. Enfin, je devrais peut-être pas l'annoncer. Voilà. Là, j'ai tout marqué, là, regardez, sur un sopalin pour l'instant. Dans la team... Dans le magnifique trophée de la Transat, Gros Baba, c'est toujours en tête, suivi deuxième place de Momo, troisième de Mimo. Ça veut dire qu'il y a trois verres en tête, vous vous rendez compte? C'est bon, vous me direz, on est six, mais il y a trois verres en tête. Quatrième, Willow, cinquième, Le Boss, sixième, Gigaset, septième, France Espoir, huitième, Armen, neuvième, Élevage Borget, dixième, Rounil, onzième, Gigi Lamoroso, ah, ce n'est plus Max, douzième, Max... 13e, Poon 49, 14e, Fred, 15e, Skipper. Allez hop, sopalin, toc, 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 tour de magie, disparu. Eh bien oui, Michel, il est fort là-dessus. Tirage au sort. Mesdames et messieurs, ce soir, je vous annonce au conseil, et ma sentence sera irrévocable. Je gueule, il y a un micro, c'est pas grave, je gueule quand même. Quelle est l'équipe où une personne va partir ce soir, maintenant, devant vous? Allez, 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 attention. Attention, allez. Allez, 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 putain. Ah, la panique, la panique, la panique est là, la panique est là. Je tremble, les gars, je tremble. Ah, là, là. Attention, le gobelet numéro 3. De toute façon, vous faites confiance, hein, c'est pas la peine autrement. Le 3, le 3, le 3. Le 3, le 3, le 3, le 3. Qui va quitter son équipe? C'est pas vrai. L'équipe rouge, ce soir, une personne partira de l'équipe rouge. C'est-à-dire, ils étaient trois déjà, ah là 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 là, ça commence mal le conseil. Hein. France Espoir 13 est sur la sellette. Élevage Borget est sur la sellette, ainsi que Armen. Un de vous trois va partir ce soir. Je remets donc les jetons. Donc on va faire le numéro, alors on va faire le... On va changer, bon Dieu. Vite, vite, un stylo, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui, Michel, le patron. Il n'est pas là, le patron. Alors, on va dire que Armen sera le 1. Armen sera le 1. France Espoir est le 2. Et Élevage Borget est le 3. Voilà. Donc, dans quelle bannière ira-t-il? Dans le bleu, dans le vert ou dans le orange? Roulement de tambour. Oui, Michel aussi est musicien. Je regarde qui c'est quand même avant. Aïe, 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 aïe. Élevage Borget quitte la bannière rouge. Regardez le 3, je ne sais pas, de toute façon, vous me connaissez, je ne suis... Élevage Borget, tu quittes la bannière rouge. Pour aller où? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Élevage Borget quitte la bannière rouge. Ça veut dire que les gars, dans l'équipe rouge, vous n'êtes plus que deux. Comme les oranges. Bah, vous n'avez qu'à faire une belette et pas nous casser les couilles. Bon, hey, pas d'insultes, Michel, s'il te plaît. Ah, bon, avec ta barbe, on dirait un branleur du Kentucky, là, comment il s'appelle, là, John, là, hein, qui sort de... Bah oui, mais bon, Michel, il est du Kentucky. Arrêtez de dire n'importe quoi. C'est le conseil, Michel Grognard. Ah, putain. Élevage Borget, allez, viens dans les verres. Oh non, oh non, non, non. Donc, il ne reste plus que le 1, le 2 ou le 4. On est d'accord. 1, 2, 4. Donc, je ne remets pas le 3, ça ne sert à rien. On est bien d'accord, Élevage Borget. Il n'y a que lui qui suit. Les autres, ils ne comprennent rien. C'est quand même pas compliqué. Pythagore, Thalès, bon Dieu, merde. La parallèle est automatiquement et dans l'infini que la droite court. Bon Dieu, demandez au boss si vous n'avez pas, vous me cassez les burnes. Allez, attention, Michel. Attention, Élevage Borget va aller dans le gobelet numéro 2, c'est-à-dire, regardez, le 2, 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 ce soir,